Et hop, salut émeute, salut à tous, c'est Captain Angel, aka Jadow. On est parti pour une petite découverte sur Black Desert World Online, aka Black Desert Online tout court. Nous sommes sur la version Xbox qui vient de sortir. On est parti pour tester donc avec un nouveau personnage. On va créer un nouveau personnage pour à peu près la modélisation des persos. Donc, par contre, je n'ai pas trouvé le système de choix de sexe. Donc ton personnage est automatiquement soit un homme ou une femme selon sa classe de personnage. Vous ne pouvez pas avoir de guerrier, mais une femme, malheureusement. Je vais juste agrandir voilà, un petit peu l'image, si encore mieux. Salut vous, salut ma tipette, c'est Modi. Donc, on va prendre Rodeuse. Je pense Rodeuse, j'adore son skin avec les plumes d'ange là. Elle est magnifique. Il y a quoi, il y a sorcière, donc c'est un petit peu la... l'assassin. J'aime bien sa coupe de cheveux, la sorcière. Berserk, donc ça c'est le gros gros taré, je t'éclate tout ce qui bouge avec deux haches. Magicien, magicienne, bon pas besoin de trop développer, les deux sont des magiciens. On va prendre l'archère, on va faire un petit, petit elfe. Création de personnage. Modifier l'apparence, coupe de cheveux. Type... Oh, quoique... Ah, ça passe. Est-ce qu'il y a d'autres coupes ou pas? Qui peut dire? Ah, oui. Ça, j'aime bien aussi. Mec, je suis court, c'est sympa. Par contre, il y a juste un truc avant. Forme, on s'en bat les couilles. Couleur. Quelle couleur tu vas mettre? Un peu moins éclatant, peut-être quand même. Ah, j'ai pas vu qu'on pouvait faire des mèches. Oh, là, comme ça. Nice. C'est Nachos. Comment tu vas? Visage, on va regarder le visage comme il est. Par contre, est-ce qu'on a la couleur des yeux? Œil droit. Ah, d'accord. Une étoile. Un œil éclaté. Deux serpents. Ah, t'es une petite croix en mode viseur. On va mettre les lèvres. Ah, non, d'accord, c'est le truc au milieu. Tac, ah, c'est ça, plutôt. Joli. Genre doré.
peux lui mettre des tatouages. Tu viens faire nous. Oh, c'est un bail, l'Inferno, quoi, tu vois. Moi, c'est vrai que c'est un bail. Moi, ça va, ça va. Toi, je suis en train de. Richesse, célébrité, noble, délicat, sensible et social. Bah, tu reprends. Dragon noir. Point d'archer, ça passe en plus. Action, vêtements. Oui, ouais, les vêtements qu'on peut avoir. Ouais. Oh, stylé! Avec le foulard, stylé! Par contre, c'est pas les vêtements qu'on a dans le jeu, mais. Enfin, pas immédiatement, mais. Ouh, pas mal aussi. J'aime bien le haut. Sympa. Ses premières tenues, le temps de l'évolution. Moi, j'aime bien celui-là. Légèrement, tu sais, un petit côté post-apo et apocalyptique. Action, non, ça c'est bon. Album de beauté. Ah oui, c'est différentes têtes qu'on peut avoir. Donc, on a par exemple. On va prendre même une photo, mon personnage. Réduction de zone. Non. Création personnage, quel est le nom qu'on peut lui donner? Ah, salope. C'est Mimio. Quand tu as un petit Mew. Yes, aïe. Donc voici notre guerrier qu'on a fait. Un petit côté un peu Gérald de Rive. Et voici notre archer. Miss Carrie. Qui est bonne. En plus elle a des bas. On va aller tester un petit peu, voir ce que ça donne. Guerrier, ça reste basique. Honnêtement, guerrier, ça reste basique. Mais c'est cool. Honnêtement, le jeu est très cool. Bonne découverte. Je connaissais pas du tout Black Desert Online. Je connaissais pas du tout avant sa sortie sur console. Donc, ça, c'est la version Xbox qu'on est en train de tester. J'ai pas tout compris au scénario. Grosso modo, un esprit des ténèbres a pris possession de votre corps. Vous avez effacé la mémoire. Et vous devez suivre un peu tout ce qu'il vous dit, se fait. Pour en fait développer votre récupérer votre mémoire, votre potentiel et tout. Donc voilà, vous êtes possédé grosso modo quoi. Et on n'est pas sûr qu'il soit très vraiment sympa quoi. Ça malheureusement nous le découvrirons dans le prochain épisode. Le chat est mort. Ah, le chat est mort ce soir. J'ai pris un truc dans la vie. Allez! 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 Are you awake? These are the memories of the forgotten world. Sorry. But you should have known better. Ça va. Pour le moment, ça va. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez en bas à gauche, le petit esprit. Ah oui, merde, c'est vrai que ouais, je vais être. Je vais me lever un petit peu, je pense. Et attendez. On va soulever le chat un petit peu. Bon, on va me lever un petit peu. Voilà, comme ça, vous verrez un peu les trucs qui se passent en dessous de moi. Ça va peut-être mieux comme ça.
Ok, donc j'ai une dague déjà. Alors, toutes les attaques se font avec les gâchettes. Donc, une flèche ici, ça. La gâchette, c'est le sabre. L'autre, ouais, c'est technique particulière. Les coups de pied avec B, X pour attraper. Ou bon, c'est une technique selon les personnes, mais non. Vous pouvez sauter, mais bon. Étageur commune, qu'est-ce que ça va trouver quelque chose? Ok, continuez. Ah, ils vont me demander une potion. Vous me filez une potion. Donc là, c'est un peu le prologue, vous allez avoir toutes les quêtes basiques en fait de. Ah, bah il faudra attaquer tel monstre. Ah, bah il faudra attaquer tel monstre, petit patata. Ouais, un petit rang marchand, c'est cool ça. Petit coup de lag encore parce que le serveur le soir est blindé. C'est assez fluide quand même dans comme jeu, à part le quand les serveurs sont vraiment bondés. Je pense qu'on va peut-être switcher peut-être sur l'autre personnage parce que ce sera peut-être plus simple avec un peu plus de missions qu'on puisse voir. Charge du vent, LTRT. C'est Black Desert Online, poteau. On va switcher sur le perso. Est-ce qu'il est. Quitter. Hop là, changer de personnage. C'est un MMORPG qui existe depuis un petit moment déjà sur PC. Et qui est sorti donc il y a je crois un jour ou deux ou trois, enfin dans la semaine là il est sorti sur la sur console PS4 Xbox et honnêtement ils ont vraiment tout adapté ce qu'il y avait sur ton clavier sur la manette et le rendu est vraiment pas mal. Honnêtement le rendu est vraiment pas mal. Il y a une course automatique, le truc éco c'est qu'il y a une course automatique pour aller à ton objectif que tu auras validé. Qui permet de pouvoir, bah, je sais pas moi, te faire un café en attendant, les trucs comme ça. Bon, faire gaffe parce que, bien évidemment, de temps en temps, ton personnage est un peu con, se bloque dans le décor, ou alors, bah, reste bloqué contre un ennemi. Parce qu'il passe pas à travers, quoi. Honnêtement, le jeu est pas mal. Ouais. Ouais, par contre, toi, pour moi, je trouve quand même que graphiquement, il est quand même vachement beau. Donc, voici mon guerrier. Presque niveau 30.
quête. Bon, cette quête-là, j'ai jamais compris comment elle va finir. Boum, le frénétique. Hop, toi je clique sur le joystick, je touche plus la manette. Et le personnage, toi, il y va tout seul. Attaquer bêtement tout ce qui se passe dans le décor, ça change pas. À chaque fois que tu butes un adversaire, tu as une connaissance de l'adversaire, donc ça permettra de pouvoir faire plus de dégâts petit à petit. Donc ça, c'est cool. C'est un peu comme Terra, t'as un verrouillage. Enfin, tu dois viser dans la direction de l'adversaire où tu le frappes, quoi. Ok, j'ai porté le mec, j'ai pas compris. Dans le futur, qu'est-ce qu'il raconte? Voilà, bonne compétence atteinte, ça c'est cool. Je suis quasiment monté un level. Encore deux, trois petits trucs et ça sera bon. Non, c'est un truc automatique, c'est tout. Hein. Pour le système de compétences que j'ai découvert tout à l'heure, il faut dire à quel point je suis monté niveau 30 sans jamais améliorer mon personnage, en fait. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, tiens, c'est marrant, une fois que j'ai amélioré mes compétences, je fais beaucoup plus mal, en fait. Que chacune des capacités que tu as donc des niveaux de puissance, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, que en montant ton personnage, en montant tes levels, bah tu monteras aussi, tu peux débloquer donc ta technique un peu plus puissante. Compétences, je suis passé devant, c'est là. Donc par exemple, là, j'ai 3 compétences assimilables que je peux avoir, et donc ça c'est assimilable, c'est ce que je peux acheter pour améliorer. Donc j'ai le choix entre soit en taille chargée optimisée, donc il faut que je sois minimum niveau 9, point de compétence qui 3, donc ça c'est bon, et un peu sur X, tu as le choix bien évidemment de voir la compétence à quoi elle ressemble. Donc là avec les touches, toi LT plus RB pour faire cette technique, méditation. J'ai pas trop compris à quoi ça sert les PF par contre. Meilleure la récupération des PF en taille chargée. Ah non, d'accord, méditation en fait ça permet de bouffer des PV. Par contre, ça me remet mes points de capacité, ok. Celui-là a l'air sympa. LTRB. Du coup, on va l'équiper. Apprendre la technique. Tac.
voir ce qu'il y a derrière. Comme dans beaucoup de MMO, t'as tous les métiers type récolte, maçonnerie, pas maçonnerie, récolte, extraction de pierre, cuisine, enfin chasse, donc la tanne. Oui, tanneur. Tanneur. Pour ce qui est les pièces d'animaux, etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Honnêtement, le jeu est vraiment complet. Il existe depuis des années déjà sur Xbox, sur PC. Donc c'est un jeu quand même qui est pas récent, qui a déjà prouvé de quoi il valait. Comme Terra qui est arrivé il y a pas longtemps aussi. Enfin, il y a pas longtemps. Il y a maintenant un an sur la Xbox. Comme beaucoup d'autres jeux. Mais au moins, voilà, c'est des jeux qui ont déjà un vécu. Qui savent déjà qu'ils ont prouvé leur qualité, leur valeur. Et donc ils donnent le portage sur console, parce que les consoles sont de plus en plus puissantes. C'est qui, boum? Coup de lag. Je vais pas regarder si le personnage sait nager ou pas. Ah, il sait nager! Ça, c'est cool. Il y avait un truc qui est... Oh, il plonge en plus! Sérieux? Waouh, il a plongé. Ok, ouais, ok, il a fait s'étouffer. C'est quoi, c'est un concours de pêche? On a un Obito Uchiwa en poisson quand même. Moi j'ai ça, je dis rien. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit Nachos? Maintenir la touche espace enfoncé consomme de l'énergie pour augmenter la chance. Est-ce qu'ils ont compris que c'était sur console? Ah là, ça c'est pas ça, tu vois. Personne qui joue de poisson en fait dans tout le long que je vois. Black Ops 3, tu l'as payé 80€. Je dirais que tu t'es peut-être un petit peu quand même fait niquer.
Donc Black Ops 3 à 80€ Et qu'est-ce que ça fait pour te faire bannir de GTA? J'ai quand même un petit peu fait niquer quand même. Bon, la pêche est chiant. Je découvre encore des trucs hein, sur le jeu, donc quelqu'un va comprendre la référence. Que ceux qui ont suivi mes lives pourront connaître la référence. Il n'y a pas un cri comme ça. Hmm? Un cri. Non. Sur Fat? Oui, c'est quoi Fat? Ah, tu parles de Xbox? Peut-être. Non, sur la normale. Sur la normale, il n'y a pas de grosse différence. Comme je tiens un boîtier 1080, je pourrais pas avoir grosse différence avec la X, quoi. Enfin, en stream. T'as la même volonté sur le bateau, celui-là. Hop, tiens. Ouais, c'est la One S édition Battlefield que j'ai, perso. Oh, c'est marrant, ça change un peu. Petite balade sur l'eau. J'ai donné ma bouteille à Monsieur Invisible et elle est revenue pleine en plus. T'as vu le truc Merci Nacho, c'est y'a personne qui l'aurait découvert sans toi. Détective Nacho, je vais t'appeler poteau. Bon, est-ce qu'on se ferait pas un petit peu chier sur ce bateau? Et si on avait poutré plutôt du mob, hein? C'est vous en pensez quoi? C'est mieux, non? Et hop. Et ben, honnêtement, je l'ai pas vu au départ. Et voilà, après quand j'ai éternué au fond de la pièce, j'ai entendu à tes souhaits. Ah, ben voilà. Au départ, bon, je te l'accorde, je m'étais un peu inquiété. Hein. C'est rare quand même que quand t'es éternu, on te dise à tes souhaits. Surtout quand t'es tout seul. Yeah. Ah.
J'ai envie de savoir, c'est quoi ce putain de boon? Oh, j'ai débloqué une quête. Commandant de Naga. Apporter la chaîne du commandant de Naga à Ramart. Coupé à travers quand même. Ah ici, on peut escalader aussi, ça c'est cool. Ah, Dieu seul le sait. Et après ça peut être un dame monsieur aussi hein. Un non-binaire. Ou une non-binaire aussi, ça a le sens. Ok, putain. L'autre maintenant elle me demande de récupérer les... manœuvrer le chariot de pommes de terre dans le champ situé derrière Partia, puis le confier à Phatos. Ok. Petite question, j'ai une épée et un bouclier, t'as pas une mission en fait qui serait à mon niveau? Le côté agriculture, tu sais, voilà. Wouah, t'as entendu une voix de fille, donc c'est une fille. Oh, tu connais Willy Revelli? C'est vrai. En tout cas, j'en ai perdu une en route. Et pas qu'un morceau du casque. Parce que le casque est en partir en couille, il y a un morceau qui s'est barré là. On sait pas comment, soit on s'est assis dessus, soit on s'est... Je sais pas. Respire. Faites pas un coup, hein. Parce qu'en général, on dit toujours pète un coup, ça ira mieux, mais là, non, non. Je vais pas mourir. Ah, j'ai gagné un lingot. Encore un lingot. Nacho, je te conseille, regarde Willy Revelli sur internet, tu comprendras la référence. Respire, fais-lui du bouche à bouche, elle va mourir. Non. Et en plus elle est à côté en mode... Vas-y, non. Rapatriement, ok. Sortir, ok. C'est comme les femmes, faut les sortir de temps en temps. Macho, macho man. Where you following, macho, macho man. Elle a un jamar. Depuis longtemps. Est-ce qu'il y a un gris pour... Alors, il... ce sont des lézards. Un coup! Putain, mon cheval, c'est de la merde! Mais dehors, debout. Ouais, alors, on va... il y a les moulots quand même dans les messages sur le chat. Nachos. Je crois pas que c'est la première fois que je te l'ai dit, ça en plus. Molo, molo. Ah si, en fait, je suis dans une zone un petit peu plus forte. Le problème, c'est que je suis trop de mal. En plus, il y a souvent des gardes de guild, alors ça, le côté guild, j'ai l'impression que ça va être super important dans le jeu. Bah, on va dire, c'est surtout que ça te concerne pas vraiment si tu fous la langue ou pas, quoi. Et comme c'est une personne qui est à côté de moi, t'es peut-être pas obligé de le dire, par contre. Je sais pas, ça s'appelle la bienséance chez moi. Bienséance. Oui, ça existe, oui. Cherche pas, c'est un terme qui existe. J'ai vu que t'es un tout petit breton. Je vais me faire frapper. Oh. Tu sais que toi t'es moche. Ça me changeait un peu de mes combattants habituels. Ah par contre ils veulent pas grand chose quoi. Ah il y a eu trois coups, un mort quoi, c'est...
Oui, j'ai vu en gros la connaissance qui grandit, la connaissance des combattants. C'est quoi, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça me défoule les deux secondes. Bim. Bim. Ping. Voilà. Ah. Temporaire. Oh, il y a un cheval tout seul. Je peux le prendre, le mien est mort. Non, il veut pas. Il veut pas de moi. Je suis décapité un bébé orc, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Je sais pas, c'est un orc. Ah là, c'est un peu mieux, il commence à avoir un nom rouge, presque. 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 Là, je crois que je suis arrivé pendant le barbecue en fait. Hop, ça c'est fait. Les barriques sont pétées. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve super beau quand même Black Desert comme jeu. Oh, pas par rapport à quand il est sorti aussi. Il est pas sorti hier. Oh, un cristal de magie de qualité, je viens de choper. C'est pas du tout quoi ça fait.
Merci. Effet de l'objet tout. Ah, ok, ça augmente mon esquive de 4 points. Nice. Bien sûr. Et bah les gars, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause. On va essayer de switcher sur notre jeu parce que bon, après un MMORPG, quand vous êtes bas level, il n'y a pas grand chose à montrer. Donc, j'espère en tout cas que cette petite découverte, petit aperçu de Black Desert vous aura plu. On va switcher sur un autre jeu un peu plus motivant, un peu, avec un contenu un peu plus développé. Donc je vous dis à tout de suite.